Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Nintendo Switch. Ouais, je sais, j'adore cette console. Franchement, j'y joue souvent. Alors certes, c'est vrai que je présente pas constamment des jeux dessus, mais je suis un chacal, j'y joue tout seul de mon côté en fait. Non mais cette année 2020, je vais vous faire profiter un petit peu plus. On va présenter masse de jeux là-dessus, on va faire encore masse de jeux sur la chaîne. Il y a plein de trucs à voir, il y a plein de choses à faire. Bref, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. Je crois que je voulais pas souhaiter. Et puis, si c'est pas le cas, bonne année. Hein. Allez, avec tout ce qu'on entend en ce moment, la troisième guerre mondiale qui se prépare, eh bien écoutez, un petit peu de détente, c'est pas de refus. Et oui, aujourd'hui j'ai un nouvel accessoire à vous présenter. Il est là, il est à l'envers, je le remets à l'endroit, voilà. C'est une manette de Nintendo Switch. Alors vous allez me dire, mais Jolotte, t'as pas acheté des manettes de Nintendo Switch il y a pas très longtemps? Excellente question. Mais pourquoi t'as racheté une manette du coup? Excellente question à nouveau. Et ce qui va me permettre de rebondir sur les manettes de chez Wish que j'avais acheté la dernière fois. Et en fait, il y en a une qui est rincée. Voilà. Allez, fin de l'histoire, salut. Non mais sérieux, regardez, en fait, la gâchette verte ici, elle marche, nickel. Regardez, écoutez, ça clique. Par contre, la gâchette jaune, elle marche, nickel aussi, elle marche très bien. Et en fait, elle marche même trop bien. Voilà, ce qu'il y a, c'est que, il n'y a plus de clic. La touche, elle est devenue tactile, en fait, les mecs. Elle est devenue tactile. Alors, attendez, c'est pas les manettes de chez Wish qui sont en cause ou quoi. Franchement, ces manettes, je les kiffais. Elles sont très bien et tout. Elles sont toujours très bien. C'est juste que j'ai fait le con, là, pendant les périodes des fêtes. J'ai amené la Switch et puis, je l'ai amené un petit peu à la va-vite, tu vois. Je l'ai mis dans un sac. J'ai posé des chargeurs dessus, des casques, en veux-tu, en voilà. J'ai tout posé dessus. Et le truc, c'est que je l'ai baladé dans un vieux sac en plastique, tu vois. Un bon vieux cabas, comme on dit. Et puis elle a dû prendre un coup. Et malheureusement le coup s'est mis au niveau de la gâchette. Voilà, c'est la touche R juste ici. Elle est devenue tactile la touche. Putain, ça m'a fait chier quoi. Et franchement je me suis dit, ouais, j'avais pas envie de redépenser encore 70 balles dans des manettes, tu vois. Et du coup j'ai trouvé ça. Voilà, c'est un contrôleur for Nintendo Switch. Et je l'ai payé 28,99€ sur Amazon. Pour pas dire 30 balles en fait. Alors vous allez me dire, ouais, c'est vrai que, la dernière fois, j'ai acheté les Joy-Con de chez Wish. Je les avais payés, je crois, 30 balles, il me semble. Donc, j'ai payé ça 30 balles. Je veux dire, j'aurais rajouté 10 balles. J'aurais pu prendre des Joy-Con officiels, en fait. Eh, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, sauf que j'avais quand même acheté ma manette Wish 10 balles. Et celle-ci va très, très bien. Donc, pour le prix d'une manette officielle, j'ai eu 2 Joy-Con. Bon, malheureusement, celui-ci marche plus, mais je pense que c'est de ma faute. Vraiment, j'ai merdé, je l'ai transporté comme un goré. J'ai une manette de chez Wish, et puis j'ai eu un contrôleur que j'ai acheté sur Amazon. Alors, celui-ci, je l'ai payé 28,99€. Donc, si on fait le lot de tout, on arrive au prix d'une manette de Nintendo Switch officielle, c'est-à-dire 70 balles. Des Joy-Con officiels ou une manette de Nintendo Switch Pro, peu importe. Allez, c'est parti, on déballe ça ensemble, les mecs. Vous me mettez un petit like sur la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette des notifications. Très important. Et puis vous me dites en commentaire si vous aussi vous avez la Nintendo Switch, si vous comptez l'acheter, quelle console vous avez, quel jeu, machin, nana. Vous me faites des top 50 de vos jeux préférés. Ça me ferait plaisir, je vous lis tous. Allez, on déballe ça. Alors je vais pas vous mentir, je vais pas jouer l'acteur studio. Je l'ai déjà déballé, d'ailleurs ça fait quelques jours que je l'utilise. Et franchement j'en suis très satisfait. Pour le prix les mecs, 28,99€. Bon allez, 30 balles je veux dire, on va pas chipoter pour 1€. Voilà, je l'ai acheté 30 balles. Alors, je vais vous dire un petit peu ses défauts, ses qualités et tout, bien que je lui trouve quand même pas mal de qualités. Hein. Donc voilà, la manette, elle est ici. Je vais vous la montrer. Je sais même pas pourquoi je voulais le monter à la caméra. J'ai une caméra qui filme juste au-dessus. Donc petite manette, bien cool. Franchement, bonne prise en main, très ergonomique. Tout est en un bloc. Plus ergonomique que des Joy-Con classiques. Hein. Franchement, la manette est bien, franchement. Alors, faut pas avoir des petites mains. Mais pas besoin non plus d'avoir des énormes mains, hein. J'ai pas des mains de titan, et puis moi franchement, elle va bien. Mais si vous avez des mains un peu plus petites, peut-être que ça le ferait moins ou quoi. Non, franchement, non, peut-être même des petites mains, ça passe. Hein. Bon bref, écoutez, on enlève ceci, on va clipser la Switch dedans. Alors par contre, inutile de vous dire qu'après, une fois qu'elle est là-dedans, elle a plus trop une gueule de Switch, quoi, tu vois. Voilà, la Switch qu'on connaît, les mecs, elle est là. Voilà, c'est celle-là, avec les Joy-Con attachés dessus. Là, ça fait bien Nintendo Switch et tout, machin. Une fois que tu la mets là-dessus, non, c'est un vaisseau spatial. C'est un ovni, le truc, tu vois ce que je veux dire. Donc, bref, écoutez, voilà. On la met ensemble. Donc, on la cale comme ça dedans. Voilà, on la met bien comme ça. On appuie, hop, tac. Donc il y a une petite prise. Alors je ne vous l'ai même pas montré, mais il y a une petite fiche USB qui est juste ici.
Donc on va pouvoir recharger la Nintendo Switch en même temps qu'on joue. Alors il n'y a pas de batterie dans la manette, hein. C'est pas comme des Joy-Con ou quoi, tu vas les mettre sur la console, ça va te recharger un petit peu ta console et tout. Non, il n'y a aucune batterie dans la manette. La prise USB, elle est juste là pour recharger la console en même temps qu'elle est sur la manette, vous voyez. Donc vous avez derrière un clips. Voilà, qui va vous permettre que la console, en fait, elle tombe pas, là, manquerait plus qu'elle glisse, là, je pleure. Voilà, vous avez des gâchettes derrière, donc juste ici, des grosses gâchettes. Donc, c'est pas des gâchettes progressives, hein, mais franchement, tu les as bien en main et tout, ça clique bien, t'as des bonnes gâchettes ici, t'as des bons joysticks, t'as une croix directionnelle, donc ça, c'est cool, une vraie croix directionnelle, hein. T'as toujours les boutons classiques, hein, B, A, X, Y, et tu as le bouton plus ici, le bouton moins ici, donc c'est ce qui peut changer par rapport à des Joy-Con classiques. Tu as le bouton capture d'écran ici et le bouton home ici, pour revenir au menu de la console. Alors, voyez, je vous montre un petit peu la gueule de la console, donc c'est vrai qu'on est plus sur une Nintendo Switch maintenant, hein. Là, comme je vous le dis, on est vraiment sur un ovni et tout, mais moi, perso, j'aime bien cette gueule qu'a la console, hein. Après, c'est vrai que ça perd un petit peu l'âme de la Nintendo Switch, on va dire. Ça fait ça fait vraiment une grosse machine et tout. C'est un petit peu plus lourd que des Joy-Con, ça quand même, faut que je le fasse remarquer. Bon, après, quand tu joues souvent, c'est pas gênant, hein. T'as toujours tes coudes qui sont posés, machin, même quand tu joues dans ton lit ou quoi, ou tu veux, aux chiottes ou quoi, t'as toujours tes mains qui sont posées sur toi. Tu joues comme ça, t'es rarement en train de jouer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc là c'est sûr que si tu joues comme ça, tu vas choper une tendinite à force. Tu me diras, même avec des Joy-Con classiques, si tu joues comme ça, voilà. Moi je pose toujours, j'ai les coudes posés et tout. Donc le poids, franchement, me gêne pas. Et c'est pas non plus ultra lourd, hein. Ça fait pas 15 kilos, hein. Vous avez à l'intérieur, donc, il y a deux moteurs de vibration. Alors par contre, le point négatif par rapport à ces Joy-Con, hein, c'est qu'en fait, on n'a pas les vibrations HD dans cette manette. C'est vraiment des grosses vibrations. Alors, c'est pas spécialement gênant, parce que je veux dire, à l'heure actuelle, il n'y a pas non plus beaucoup de jeux qui utilisent les vibrations HD. Bon, il y en a quand même quelques-uns, par exemple, je prends Super Mario Odyssey, qui utilise les vibrations HD pour certains passages de gameplay, en fait. Quand vous allez arriver dans des petites pièces, des fois, faut chercher des lunes et tout, donc faut utiliser les vibrations HD pour savoir où est-ce que se situe la lune. C'est vrai qu'avec cette manette, vous allez plus y aller à tâtons, quoi, tu vois, dans les pièces, parce que t'as pas les vibrations HD, c'est vraiment des vibrations grossières, des bonnes grosses vibrations, quoi, comme peut avoir une manette classique, en fait. Donc voilà, moi perso, ça me dérange pas. Il y a le gyroscope, donc ça c'est cool. Tu peux aller de gauche à droite, machin, nana. De toute façon, on va allumer la Switch. Je vais vous montrer ça, on va démarrer un petit jeu. Donc ouais, t'as le gyroscope, t'as les vibrations, et puis t'as une manette, mon gars. Alors ce qui est bien, vraiment, c'est que tu vois, je trouve que déjà, t'as une meilleure prise en main qu'avec les Joy-Con. T'as vraiment l'impression d'avoir une vraie manette entre les mains. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Vraiment, une bonne manette, quoi, tu vois. T'as pas, c'est pas les petites Joy-Con et tout, même si ils restent bien, franchement, en mode portable, hein. Mais je trouve que c'est mieux que des Joy-Con au niveau de la prise en main, vraiment. Ça a l'air costaud et tout, franchement, c'est des bons matériaux. Bon, après, c'est du plastique, hein, tu vois ce que je veux dire. Bon, j'avais dit que c'était costaud, ça aussi, hein. C'est vrai que ça s'est ruiné. Bon, la petite touche R, juste ici. Après, je me suis dit, même si j'aurais acheté des Joy-Con officiels, va savoir qu'il aurait pas pété aussi le bouton, tu vois. Comment que j'avais foutu ma Switch comme à Gorée dans le sac et tout. Après, c'est vrai que, on n'est plus sur une Nintendo Switch, quoi, tu vois. Au niveau de la gueule, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça fait plus Nintendo Switch. Si après, vraiment, ça vous dérange, va falloir partir sur des Joy-Con, tu vois. Mais si ça vous dérange pas, moi, au contraire, franchement, j'aime beaucoup la gueule qu'elle a. Donc, voilà, moi, je vous conseillerais plus de partir sur une manette comme ça. Alors, attendez! La dernière fois, je vous avais conseillé de partir sur les manettes de chez Wish, elle est morte, hein. Mais voilà, je ne l'ai pas encore utilisée bien comme il faut, ça fait quelques jours que je l'ai et tout. Bon, c'est nickel. J'ai même pas fini l'unboxing de la boîte, en vrai. Attendez, parce que, voilà, dans la boîte, il y avait quoi? Donc, un truc qui est bien aussi, c'est que vous avez des tailles de joystick différents. Voilà, hop, dans le petit sachet. Donc, regardez. Hop, 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 mon gars. Voilà. Vous pouvez mettre 3 joysticks, en fait. Voilà, hop, je vous les mets comme ça. Il n'y a que celui-ci qui s'enlève, hein. Celui-ci, il s'enlève pas. Donc, moi, j'ai mis le moyen. Voilà, parce que le moyen, il est bien. Vous avez un petit joystick. Hop, qui se met comme ceci. Voilà. Donc, je trouve qu'il est trop petit. Voilà, le petit est vraiment trop petit, hein. Oh, on parle pas... Envole-toi pas trop loin. Et vous avez un grand joystick. Et le grand joystick, alors il est bien, franchement, hein. Mais je trouve qu'il est trop grand, parce que si tu veux, quand tu vas appuyer sur les touches qui sont là, tu vois,
Bah tu touches tout le temps un petit peu le joystick. Après bon je sais pas, ça peut être gênant ou pas. Voilà, écoutez, moi j'ai préféré le moyen. Le petit est trop petit, le grand est trop grand. Le moyen est pas trop moyen, franchement il est bien. Les joysticks sont plus précis que des Joy-Con. J'ai d'ailleurs testé dans les options et tout de la manette. Et ouais, c'est un petit peu plus précis que des Joy-Con. Donc ça, de ce côté là c'est cool. Après je vais vous dire un petit peu comment reconnaître la manette. Parce que bon, faut cliquer sur une touche spéciale dans les paramètres. Je vais juste baisser un tout petit peu la lumière, histoire voilà, que vous voyez bien l'écran de la Switch. Et donc voilà, hein, franchement c'est parti, Alien Isolation mon gars, ça marche super bien. Ça marche du feu quoi. Alors après vous pouvez vous demander est-ce que ça pompe plus ou moins de batterie avec cette grosse manette. Et bah franchement pour tout vous dire, j'ai vu aucune différence. Ça pompe pas plus de batterie que des Joy-Con classiques. La seule différence bien sûr c'est que dans des Joy-Con vous allez avoir des batteries que là bah, dans la manette vous en avez pas. Donc des Joy-Con c'est vrai qu'en général quand ils sont sur les manettes, la console elle est éteinte, ils rechargent la console. Et quand la console est allumée, la console recharge les Joy-Con. Donc là quand elle est éteinte elle recharge rien. Et puis quand elle est allumée elle recharge pas non plus les manettes. Donc au final ça tire pas plus. Ça se trouve ça tire peut-être même moins vu que la console elle recharge pas les manettes. Et donc voilà hein, tout marche hein. Les joysticks sont cliquables bien sûr. Tu peux te baisser. Ah oui c'est le gyroscope que je voulais vous montrer. Voilà donc j'appuie sur L et puis regardez et c'est réactif vous le voyez bien la caméra là. Ouais enfin vous voyez plus mon reflet quoi. Mais bon je vais essayer de vous le montrer comme ça là. Mais vous voyez plus mon reflet à la caméra. Mais je vous assure que franchement ça marche de ouf hein. Si si vous le voyez quand même hein, machin. Regardez je me déplace et tout. C'est réactif à la seconde et tout. C'est nickel ça marche très bien. Les vibrations sont vraiment fortes. Par contre j'ai trouvé hein, ils sont vraiment même plus fortes qu'une manette classique comme ça. Ah c'est vraiment, je veux dire dès que ça vibre, tu peux te la poser sur le dos ou quoi. Ça te fait une petite séance de massage. Donc bref, voilà, écoutez, je vais retourner juste dans les menus parce que je vais vous montrer comment la connecter. Vous allez dans les paramètres. Regardez, hop, je me mets comme ça pour que vous le voyez bien. Vous allez dans les paramètres, normalement c'est manette et capteur, voilà. Et il faut cocher cette case, donc par défaut, il y a marqué non. Et ben vous, vous la mettez sur oui. Voilà, si vous mettez non, ben la manette ne marche plus. Parce qu'en fait, si vous voulez, elle est considérée comme si vous branchiez une manette sur le dock ou quoi. Enfin, tu vois, c'est considéré comme une manette pro quoi. Donc faut surtout mettre oui. Et puis là je me suis fait baiser parce que du coup bah oui ça marche plus. Ma manette marche plus donc je peux même plus mettre oui quoi. Attends, normalement voilà, hop. Ouais c'est bon ça remarche, heureusement que l'écran il est tactile. Donc voilà, vous voyez, ça marche très bien. Donc oui c'est vrai qu'elle est un petit peu dure à retirer. Faut juste appuyer sur le bouton là. Vous avez un bouton de sécurité qui est juste ici. Vous appuyez dessus et vous tirez la console. C'est tout simple. Non mais c'est vrai qu'elle est un petit peu raide. Voilà donc sinon au niveau des plastiques. Bon bah c'est du plastique hein. Voilà hein. Je vais pas non plus trop forcer mais voilà. C'est costaud quoi mais faut pas non plus. C'est sûr que tu peux la péter en deux facilement la manette hein. Ouais y a pas de souci. Hein. Donc voilà à l'intérieur c'est fait comme ça. Vous avez deux petits loquets ici pour caler la console justement. Le derrière il est fait comme ça. Vous voyez c'est vraiment très ergonomique hein. Pour poser tes mains dessus ou quoi. Bon pour la mettre des fois c'est un petit peu galère. Faut vraiment tu vois ça passe au millimètre quoi. Faut vraiment, hop, voilà, tu la mets bien. Et puis là, après, tu appuies pour l'enclencher. Tac, et puis c'est nickel. Tu peux y aller que la console, elle tombera pas. Hein. J'espère. Non, donc, voilà, c'est nickel. Non, franchement, je suis très content de cette manette. Je voulais vous la présenter parce que, bah, j'ai vu aucune vidéo en français sur celle-ci. J'espère, vraiment... Que j'ai pas oublié de vous présenter un truc sur la manette ou quoi. Parce que ça se trouve vous allez me poser des questions. Vous allez me dire ah oui mais est-ce que ça fait ceci, cela Donc voilà il y a bien les gyroscopes. Ça lit pas les amiibo. Donc bien sûr je vous mettrai un petit lien de la manette dans la description. Si celle-ci vous intéresse. C'est un lien affilié à Amazon. Si vous passez par mon lien ça aide un petit peu la chaîne et tout. Donc c'est cool je vous remercie d'avance si, bah, si elle vous intéresse bien sûr. Mais voilà en tout cas de mon avis final. Conclusion bah, pour moi alors pour le moment hein, parce que comme je vous disais j'avais dit c'était un grand oui aussi pour les manettes de chez Wish. Mais je pense que les manettes de chez Wish c'est vraiment de ma faute. Ça aurait été des officiels, ils auraient pété pareil tu vois. La façon dont j'ai porté ma Switch et tout dans le sac avec les chargeurs machin nana, c'est complètement de ma faute. Et puis laisse tomber, j'ai démonté la manette, j'ai vu les vis et tout, j'ai fait oh mon dieu seigneur. J'ai fait vas-y j'en achète une c'est bon. Et voilà donc du coup à voir dans le temps si ça tient ou quoi tu vois. De toute façon si vous en entendez plus parler bah c'est que ça marche. Et puis si vous en entendez parler un jour
bah c'est que ça marche plus, tu vois. Voilà. Donc bah ils ont pas fait si longtemps que ça les manettes de chez Wish. Mais voilà, moi je mets pas la cause sur la qualité, je mets vraiment la cause sur ma faute quoi, je pense hein, tu vois. Bah, après on va pas se mentir non plus, c'est pas bien solide. Bref, voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir de pouvoir vous proposer des accessoires Switch et tout comme ça. Je trouve que c'est un accessoire un petit peu insolite, tu vois. C'est vraiment cool, ça donne une autre gueule à la console un petit peu. On dirait un ovni, un vaisseau spatial. Donc voilà, vraiment moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo, ça me fait plaisir. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette de notification, d'acheter vos jeux moins chers avec le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Moi je vous dis à bientôt et ciao tout le monde, bye.